témoigner? Demandez pardon. Ah ouais, comme c'est un pardon là. Il y a des confessions là, comme ça là. C'est... En fait, je voulais demander pardon au Seigneur. Le micro. Je voulais demander pardon au Seigneur parce que à plusieurs reprises, en fait, il m'a appelé. D'accord. Je suis déjà venue ici il y a 2 ans. Mm-hmm. Et j'ai toujours négligé son appel. En d'accord. Fait. Et c'est comme la sœur disait, on veut venir en Christ, mais on veut gérer. Et je suis repartie dans le monde. D'accord. J'ai fait n'importe quoi. Mm-hmm. Et quand il n'y a pas Jésus, c'est la mort. Mm-hmm. Et on se sent vide. Et en fait, je voulais vraiment lui demander pardon parce que je suis trop négligente. Mm-hmm. Je ne veux pas lire la Bible, je ne veux pas prier. Et je veux vraiment me détacher de tout ça. Je veux me consacrer que à Christ. Amen. Et que lui seul prenne possession de toute ma vie. Amen. Et je voulais aussi demander pardon à ma sœur parce que avant de revenir en Christ... J'ai beaucoup murmuré contre elle. Contre ta sœur. Par rapport à sa marche chrétienne. Ok. Et je voulais lui demander pardon parce qu'en réalité, j'aime beaucoup ma sœur. Oh. Je remercie le Seigneur de l'avoir touchée parce que c'est à travers elle que ma famille va être bénie. Amen. Voilà. C'est wow. Tout ce que je voulais dire. C'est beau ce que Dieu fait. Waouh. C'est beau. C'est beau. Et je demande pardon à ma sœur d'avoir murmuré contre elle. Amen. Magnifique Seigneur. La puissance de la résurrection au Père. Je vous dis, il y a des anges qui sont descendus avec des épées. Ils sont en train de briser des chaînes, de briser des liens. Il y a beaucoup de démons qui commencent à sortir. Là, 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 il y a des démons qui sortent. Amenez-moi ces personnes possédées. On peut vraiment acclamer le Seigneur de gloire, notre Dieu. Reçois les acclamations, Jésus. Amenez-moi ces personnes possédées que Dieu est en train de libérer. Oh Saint-Esprit, dis à ton voisin, Jésus est là. Jésus est là. Regardez-moi la gloire de Dieu. Regardez-moi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, c'est pas fini. Écoutez, il y a des démons là, là au moment où je parle, des démons. Il y a une guerre dans l'esprit. Il y a une guerre. Il y a des démons ici qui tiennent, qui dirigent des familles depuis des générations. Ça sort. Ça sort. Des démons qui imposent le célibat, qui empêchent les mariages dans les familles. Je dis là, ça sort. Ces puissances démoniaques commencent à quitter vos familles, à quitter vos vies, à quitter vos familles. Maintenant! Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh. Il y a quelque chose ici. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire est là. La gloire est là. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Les anges guerriers. Les anges guerriers sont arrivés là. Les anges guerriers sont arrivés. Et ils sont en train de déloger les démons. Ils sont en train de déloger les démons. Ils sont en train de déloger des démons ici. Ils sont en train de déloger les esprits de serpents, d'attraper ces esprits. Oh, regardez-moi la gloire de Dieu. Regardez-moi la gloire de Dieu. Elle ne va pas se marier. Elle ne va pas se marier. Je ne veux pas qu'elle se marie. Je suis son oncle. Je suis son oncle. Et je ne veux pas qu'elle se marie. Elle va rester célibataire. Elle va rester célibataire. Je ne veux pas qu'elle se marie. Pourquoi?
Je ne veux pas qu'elles se marient. Elles ne doivent pas se marier. Pourquoi vous voulez me chasser? Je ne veux pas qu'elles se marient. Je ne veux pas. Je veux les condamner. Pourquoi sa sœur doit se marier? Pourquoi tu as tout fait pour qu'elle se marie? Pourquoi tu fais tout pour qu'elle se marie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux qu'elle se marie? Elle ne va pas se marier, j'ai dit. Elle ne va pas se marier. Elle ne va pas se marier. Acclamez le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Jesus. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Elle ne se mariera pas. Elle ne se mariera pas. Sa famille m'appartient. J'ai dit qu'aucune des filles, aucune des filles ne se mariera. Je les ai achetées. Elle ne se mariera pas. Sa petite sœur qui veut se marier ne se mariera pas parce que je suis là. J'ai dit non. J'ai pris vos mariages. J'ai pris vos mariages. Votre famille m'a vendu vos mariages. Elles sont à moi. Elles sont à moi. Ces filles ne se marieront pas. C'est du mensonge. Au nom de... Ces démons mentent. Qui n'a jamais vu ça? Qui n'a jamais vu ça là? Qui est choqué de voir tout ça là? Qui réalise que Jésus existe? Écoutez. Il doit partir, on me l'a donné, on me l'a donné, on me l'a donné. Vous avez vu comment les démons ont peur? C'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jesus. Dieu s'occupe des gens qui sont ici. Il n'y a pas besoin de me poser les mains, de crier ou sortir. Non. Dieu est là. Quelqu'un est attaché comme ça. Ah. Elle ne va pas se marier. Sa soeur aussi ne se mariera pas. La dot ne sera pas abolie. La dot ne sera pas abolie dans cette famille. Je ne veux pas. J'ai dit, elle ne va pas se marier. Tu te trompes. Pourquoi? Tu te trompes. Tu es qui? Je suis le fils de Dieu. Moi, je suis Félix, le plus grand sorcier de la famille. Je suis Félix, le plus grand sorcier de la famille. Et je dis qu'elle ne se mariera pas. Sabrina, tu crois que tu vas te marier? Tu ne te marieras pas, j'ai dit. Tu te trompes au nom de... Au nom de... Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Non, je veux pas. Chassez ce démon-là. Chassez cet esprit. Oh, tu m'énerves. Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Tu m'énerves, Sora. Tu me connais toi? Tu me connais? Tu sais qui je suis moi? Je suis Félix, je t'ai dit. Tu sais qui je suis moi? Je suis Félix. Pourquoi tu veux me chasser de ce corps? J'ai dit toutes les filles de la famille ne se marient. Tu te trompes. De qui tu me parles toi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu m'envoies le feu maintenant? Pourquoi tu m'envoies le feu? Allez, sors! Allez, sors! Allez, sors! 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 Acclame Dieu! Alléluia! Amen! Amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia. Oh, oh, amen, amen, amen. Tu vas te marier et tu vas servir le Seigneur, tu vois, parce que tu as confessé ton péché, le Seigneur t'a délivré. Oh. Ben, tu peux prendre ta soeur dans tes bras, hein? Bien sûr, parce que c'est... Hein? Alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique. Quand on voit toute cette foule-là,
Le réveil est là. Le réveil. Il y a des besoins. On va prier encore jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à ce que le Seigneur répande encore son esprit sur toute la France, le Maghreb, l'Europe. Vous savez ce que je vois là? Le balai d'ange. Ça monte, ça descend. Comme l'échelle de Jacob. Avec des harpes, des chauffards. Et loue Dieu.